Salut à tout le monde. Une vidéo rapide parce que j'ai deux trois petits trucs à vous dire. Écoutez, hein. Les gens vont vouloir prendre le contrôle de votre vie. Ce matin, j'ai parlé des envoûtements. Une autre façon encore dont on peut t'atteindre, on peut te lancer un mauvais sort. Bonjour la reine Olga, je pensais à toi ce matin. J'espère que tu vas bien. On peut te lancer un mauvais sort dans le sens où tu as une de tes potes ou bien quelqu'un qui t'a même monté ma page, quelqu'un qui t'a introduit à ce que je fais là. Tu te dis que la personne maîtrise. Ok. La personne a dit une chose, deux choses, c'était vrai. Du coup, tu te dis, comme elle a dit deux choses, c'était vrai. Ça veut dire que tout ce qu'elle va me dire, ou il va me dire, je vais prendre maintenant ça comme ma parole d'évangile. Tout ce que quelqu'un dit de négatif dans ta vie, ça ne t'arrange pas. Hein? Tu dégages sa parole. Tu dis non. Écoutez bien. Je ne peux pas venir te dire, wow, tu sais, là où tu vas aller ouvrir le magasin, là, ça ne va pas marcher. Et que toi, dans la nuit, tes ancêtres t'ont dit que pas là-bas, fais ton magasin. Gars, tu sais quoi? Écoute ce que tes ancêtres t'ont dit. Et c'est ce qui vous handicape souvent. Tu as une amie qui te dit quelque chose. Chaque jour, tu le... Oh, je fais comment par rapport à mon gars? Elle te conseille. Je fais comment par rapport à ça? Elle te conseille. Elle te conseille. Au milieu de la nuit, elle te dit, prends le jujube, fais comme ça, là. Lance le sel, fais... Tu commences à regarder mes vidéos, tu commences à avoir confiance en toi. Tu crois toi-même aussi que les ancêtres peuvent te dire de faire quelque chose, tu fais ça marche. Et souvent tu vas même lui dire que j'ai fait ça, ça marche, elle est jalouse. Regarde, non, non, tu voyais, je paniquais un peu. L'enfant ne se sentait pas bien. J'ai eu l'idée, j'ai pris le sel, je l'ai mis dans l'eau, je l'ai lavé avec. Après j'ai pris le jujube, j'ai mis dans sa bouche. Dans son cœur, il dit que mais tu ne m'as pas appelé, pourquoi tu m'appelles souvent, non? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Écoutez, oh, vous allez détecter vos Decepticons. Parce que le Decepticon, ça peut être quelqu'un qui est avec toi tous les jours. Tu as même ton gars, hein? Il est jaloux de toi secrètement, tu ne sais pas. Ou bien tu as ta go, elle est jalouse de toi. J'ai un de mes fils qui m'appelle, me contacte l'autre jour, il me dit que il a découvert que son gars, il ne sort pas de Decepticon. Que tout ce qu'il dit qu'il veut faire, elle a toujours une objection. Oh bébé, on fait ça. Non, mais non. Bébé, on fait ça. Bébé, on fait ça. Tu sais, il y a toujours un problème. Car à un moment, il a dit lui-même que, tu sais quoi, la fesse, là, je suis pas mal sous ça. Ton Decepticon, parfois, il te donne sept choses qui sont bien. Trois choses qui ne sont pas bien. Toi, tu dois savoir discerner. Ne prenez pas seulement tout, vous buvez. Je suis en train de regarder une série actuellement, la Queen of the South. Ils vendent de la drogue. Donc, quand ils partent pour prendre de la drogue, donc, si vous apportez 20 paquets de drogue, ils vont contrôler les 20. Donc, checkez tous les paquets de choses qu'on vous donne. Checkez toutes les paroles là qui vous disent. Ne buvez pas tout. Que non, c'est elle qui a dit. Comme elle a dit, je ne check même pas. Eh ouais. Oh. Quand elle va venir te dire, tu sais, comme c'est moi qui t'ai d'abord passé l'autre, c'est moi qui t'ai d'abord dit l'autre, tu dois maintenant me croire. Non. Putain, je vais tester le truc, c'est la même. Mais ça comment? Ça va, tu l'enlever?
J'avais oublié que j'ai le support dans la voiture. Vraiment, moi-même, c'est là. Je n'utilise pas mes gadgets. Mais... Voilà. Donc, la personne te dit 15 choses. Te conseille chaque jour. Tu acceptes. Dans la nuit, les ancêtres te disent que demain, tu vas faire ça. La personne se lève le matin et te dit, ce que j'ai vu, tu peux partir faire là. Il ne faut pas faire ça. Moi, j'ai vu que ça ne va pas marcher. Gars, tu sais quoi? Écoute ce que ton cœur et tes ancêtres sont en train de te dire. C'est pour ça aussi que vous devez beaucoup lire la Bible. Ne blaguez pas avec la parole. La parole dit que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, j'aime Dieu. Je suis Dieu. Il y a Dieu en moi. Je l'aime. Tu peux venir me prouver que je n'aime pas Dieu. Vous connaissez les routes de Douala là, non? On est en train d'arriver déjà au bureau. Et ceux qui sont venus dans mon bureau, vous connaissez. Tu dois pouvoir prendre ta part de choses. Tu dis que on monte, on descend. Les décepticons ont changé leur façon d'écrire les messages maintenant. Ils auraient dû dire bonjour les filles, je suis décepticon. Quelqu'un va venir te dire, tu sais, moi je ne sens pas ce que tu vas aller faire là. Il y en a même que ils vous ont mis le contact de ma page, ils t'ont montré ma page. Quand toi tu voulais venir chez moi, ils ont dit que ne pars pas chez elle. Si ton intuition te dit de faire, gars, fais. Parce que tu as détecté ta part de décepticon là-bas. Et ils vous calculent. Donc ne blaguez pas avec vos choses. Ne blaguez pas. Et ces gens-là sont souvent à côté de vous. Donc ce sont les faux gens proches, ta copine de tous les jours là. Parce que beaucoup de ces personnes, ce qui les conduit vraiment, c'est la jalousie. Malheureusement. Malheureusement. Ta tante à qui tu avais confiance là. Tu es même sûr que le gars avec qui tu veux être là. Tu dis seulement que ma terre, j'ai jeûné, j'ai prié. Ça fait 2 mois que je jeûne et que je me lave avec le sel. Et que je fais mes déclarations avec le don. Je demande un homme. Comment tu veux me dire que tu ne le sens pas? Que là, je vais faire mon magasin là. Je ne dois pas faire mon magasin là-bas. Toi-même, tu peux prophétiser sur ta vie. Hein? Vous ne vous connaissez pas. On vient de dire que ça ne va pas marcher. Dès qu'ils sortent là, c'est pour ça que n'invitez même pas n'importe qui chez vous. Je vous ai même déjà dit ça. Dès que la personne sort, tu dis, everything I put my hand go work. Que ça va marcher. Que je bénis chaque matin, tu te lèves, tu prends le don. Tu marches, tu vas sur l'autre sol, tu vas sur le jupe, tu vas sur le sel. Je bénis l'endroit-ci. Ago bénis Amsao. Le Seigneur me garde. Je suis gardé. Je suis gardé. Je suis béni jusqu'à. Laissez-moi comme ça. Le goût de ça. Je suis pas. Bonjour. Vous voyez. Voilà mes enfants. Ça te me dérange. Je fais le direct. Attendez. Je suis arrivé ici, pas sorti. Ils sont venus me trouver dans la voiture. D'accord, d'accord. Revenez. Mes enfants, c'est là. Ouais, Seigneur. Écoutez.
Ah, yes, Seigneur. Tu parles, on te dit que ton enfant, si on n'est même pas celui qui va avancer, on n'est même pas. Ma chérie, dès qu'ils sautent là, tu chasses d'abord leur mauvaise odeur, tu brûles un peu l'encens dans la maison là, tu chasses leurs énergies avec lesquelles ils sont venus là. N'importe qui ne doit pas venir un week-end chez toi. Ta maison, même connaît là où tu vis, ne doit pas connaître. Mm-hmm. Non. Tu fais comme ça, la personne ne connaît comment. On ne doit plus connaître ton fonctionnement à partir de maintenant. Mais je vois, elle a une nouvelle voiture. Je vois qu'elle porte tes nouveaux habits les derniers temps. On ne doit pas connaître ton fonctionnement. Je vous ai dit que quand ils viennent chez vous, ils vont te fouiller même dans vos chambres. Pas dans ta salle de bain, regardez la, ta brosse à dents, regardez ce que tu commences à te wing. Ah, quelle est. Oui. Tu protèges tes choses. Et ne partage pas tes projets avec n'importe qui. Est-ce que tu es obligé d'inviter les gens à ton mariage? Non, moi je déjà, moi-même je connais que j'ai déjà, je donne. Mon gars m'a dit ce matin, donc il sait qu'il donne. Vous avez compris, non? Il a encore des rires. Écoutez. Vous n'avez pas besoin de l'accord de quelqu'un. Ils vont seulement voir, ah, elle s'est mariée. Ah, regardez. Elle a, avant qu'ils ne sachent que tu as une voiture, que tu as deux voitures. Même vos cotisations, là, ce n'est plus n'importe qui doit connaître là où tu cotises ton argent. Ah, je sais qu'elle n'a pas fait la cotisation, 300 000 au mois. Je connais là où elle cotise. Si on voulait venir t'influencer. Quelqu'un dit que tes choses vont tomber, tu dis everything I put my hand go work. My name would open doors. Amen. Et testez bien vos gens là. Vous allez voir que quand vous leur annoncez une bonne nouvelle, vous allez voir comment leur cœur fait comme ça. Que c'est quoi? Tu vois la personne fait. Oui. Ça ne leur plaît pas quand tu avances. Juste quand on te voit, ta peau brille. Hey. Vous dites bonjour à mon roi vous salue. On te dit bonjour au roi. Dis bonjour. Parle pour non. Il ne veut pas parler. Ouais, Seigneur. Non, on vous guette trop. Les gens, l'homme est mauvais. Pour rien. Donc, il y a des gens qui, comme Longa avait dit, que celui qui me tue ne reste pas mourir. Quelqu'un te fait du mal. Il y a un autre qui a chanté que il fait chaud à Douala. Attendez que tu peux faire comme ça, quelqu'un te tue, après il vient lui au deuil. Donc, il te tue, il vient à ton deuil, il s'assoit, il mange. Il mange. Il dit ouais. Jocelyne, franchement, que la tête de nos ancêtres te soit légère. Dieu, monte comme les. Dieu, monte donc. Gars, les gens ont fini avec ça. Quelqu'un te donne une mauvaise parole. Sur le champ là, pendant qu'il dit, ne laisse pas l'air passer. Non, tu sais, le genre de gars là, les gens du coin là ne sont pas bien. Hein. Les Yaoundé, ils ne sont pas. Coupe ça là. Que là. Que ma part de gars là, il est bien. Et tu connais déjà, tu notes déjà la personne là. Note déjà le genre. Que ne passe plus à côté de laver tes choses. Ne lui dis plus tes choses. Ne lui dis plus tes choses. Oui. La personne va t'appeler, il n'y a rien de nouveau. Tu fais. Tu fais comme que c'est. Quoi de neuf? Mohamed, tu veux voir mon gars? Vous n'êtes pas digne de poser les yeux sur lui. Vous avez compris? Vous n'êtes pas digne. Je vous connais. J'ai les Decepticons ici sur Facebook. Hein. Vous savez ça? J'ai les Decepticons. Donc ils sont dans tous mes directs. Malheureusement, ils m'apportent une vue. Même quand je ne peux pas mettre le like. Il m'a porté les vues. Donc, quelqu'un parle mal dans ta vie. Adresse ça immédiatement. Tu dis, j'annule. Que ce que tu dis là, ça ne va pas marcher. Que j'annule ce que tu dis là. Ah, tu me manques de respect. Je suis ta tante. Hein? Je connais. Hop. Tantine, tu as trop parlé dans ma vie. Que j'annule ça.
Elle va se taire, elle va partir. Apprenez à dresser vos décepticons. Je vous connais. Je sais que j'ai les clienticons ici là. Vous êtes venu dans mon inbox m'insulter jusqu'à. Vous êtes sur mon Facebook me regarder. Vous n'avez même pas honte. Yay! Parce que l'homme est changeant, hein. L'homme est mauvais, oh. Même vous là. Et c'est quand un jour vous êtes avec moi, demain c'est vous qui allez partir, oh la femme là. Ne faites confiance à personne. Personne. Faites attention, faites attention. Faites attention. Quelqu'un dit un truc sur ta vie. C'est même, oh j'ai rêvé que tu étais en train de mourir. Oui, c'était ton rêve, non, tata. Ne te dérange pas. Je vais vivre jusqu'à 106 ans. Je vais vivre 106 ans, tata. Tu as compris, tata? Tu dis, bye bye, tata. Tu me manques de respect. Je te dis mon rêve. Peut-être que tu pars chez tes marabouts chaque jour. Mais dans ton subconscient, en train de te révéler toi-même. Ne blague pas. Fermez vos chambres. Ne laisse même plus ta chambre ouverte pour quelqu'un. Je vous ai dit le matin que mettez la caméra dans votre chambre. Prends le téléphone, tu m'envoies des vidéos, tu laisses dans la chambre. Tu dis un peu que j'arrive. Hein. Tu vas voir les choses qui viennent faire dans ta chambre. C'est là que tu vas connaître le cœur des gens sur toi. On arrive, on voit que ton chantier avance. Maman, avant, écoute, prends le sel, tu verses sur ton chantier. Igowaka, ça va marcher. Tu vas finir ta construction là d'ici juin. Ah, tu sais, quand tu vas construire dans le coin, c'est comme ça, tu vas pas trouver les clients. Hein. Je vais trouver les clients. Dis-le, je vais trouver les clients, je vais remplir mon endroit. Je vais mettre les gens dans mon endroit. Je veux dire que tu as pris la bouteille dans le marché, c'est comme ça là. Les clients, ça ne passe même pas. Moi là, ça va passer. Je vais vendre. Faites attention aux gens qui viennent s'asseoir dans votre boutique toute la journée là. Elle te visite quoi? Elle visite quoi sur toi? Quand je ne vous dis même pas alors de vos menguistes qui viennent alors. Comme tu as dit, tu n'as pas la chotte mini. Ton menguiste vient. Oh tata, tu sais, voilà mon gars qui est en Italie là. Tata, mon gars qui est en Italie là, le voici non. Il rentre quand ma fille? Non, il rentre jeudi. Parfois, ta tata là va aller dire, il y a des choses que vos gars ne vous disent pas. Et vous, quand il va venir que ta tante, c'est là, ça veut dire qu'en sa présence, elle a manifesté les choses. Ils se demandent, est-ce que c'est même ta nièce? Tu as une ta nièce là, vrai? Pourquoi tu as choisi? Moi, j'ai mes filles, c'est là. Moi, j'ai mes filles. Que ta copine là, à un moment, elle sortit, elle m'avait 5 gars ici. Il y a même les rumeurs qu'elle a le sida. On n'est même pas sûr. Tu dis que ta tante la t'aime. C'est pour ça que depuis qu'il est rentré, il ne t'appelle même plus. Lave-toi avec ton sel. Fais ton travail spirituel. Je t'ai montré ce matin comment nettoyer ta maison. Comment te nettoyer toi-même. Il va recommencer à t'écrire. Il va te débloquer. Parce qu'on est parti travailler sur toi. Il y en a même que. Vous êtes même déjà marié, mais il est en France. Il faut qu'il fasse tes papiers pour que tu viennes avec les enfants. Ha! La famille ne peut pas le bloquer. Chaque jour, il y a des problèmes. Oh, c'est ma belle-mère, non? C'est ma belle-tante, non? Mamie, ce n'est pas tout le monde. Dès qu'il envoie l'argent, tata, voilà ce qu'il a envoyé, voilà pour toi. Hein? Certains hommes sont manipulés par leur famille. Parce que vous êtes entré dans la famille, là, vous étiez seulement bête. Tout vous étiez interdit à tout le monde. Écoutez, j'ai connu une femme, je ne veux même pas dire qui c'est. Quand la femme-là s'est mariée, elle a annoncé Roha à notre famille. Parce que l'homme avec qui elle s'est mariée était de notre famille. Elle a dit que tout ce que vous faites là avec votre frère, ça c'est dehors, hors de ma maison. Chez moi, c'est moi qui commande. Et quand il vous fait quelque chose, il va d'abord faire moi avant de faire pour vous.
Jusqu'aujourd'hui, ça fait 28 ans que la femme est au contrôle. Elle est aux commandes. On a déjà tout fait. Même la mère de l'homme est venue. Wow, wow, wow. Elle ne blague pas. L'homme quittera son père et sa mère. Quittera. Il n'a pas dit qu'il va construire pour la mère. Il va faire d'abord pour la mère avant de faire pour sa femme derrière. Non. On honore les parents, tous les gens là, oui, oui. Mais connaissez d'où vient votre malheur. Certains d'entre vous, ce sont vos belles-mères. Certains sont vos belles tantes, vos beaux-pères. Vous avez le projet. Vous commencez à économiser l'argent. Oh, il faut faire construire ma maison au village d'abord. Maman, attends, on fait même d'abord. On se marie même d'abord, non. Et tu sais que tout repose sur le monsieur. Ils savent que tout repose sur ton mari. Parce que l'homme ne va penser qu'à lui. L'être humain ne pensera qu'à lui. Ouais, maman, on a les enfants qui. On va payer l'école des enfants. On doit au moins s'occuper de nos. Ils ne veulent pas savoir. Tant que vous donnez, ils vont prendre. Tant que vous donnez, ils vont prendre. Le jour où tu refuses de donner, tu deviens leur ennemi. On va oublier que tu avais un jour donné. Soyez sage. Soyez sage. C'est le Mboutoukou qui avait accepté qu'on l'appelle Mboutoukou. Tu en as une famille, tu as 25 ans. Tu es rusé jusqu'à ce que mince. On veut te manipuler, on n'arrive pas. Que tu es rusé. Ce n'est pas. Tu n'as pas attendu 45 ans pour te ruser, ma chérie. Oui. Ta belle-mère, elle te tente. Elle a 45 ans, tu as 28 ans, non? Oui. Elle te tente. Tu lui dis que ma mère. Tu es ma mère, non? Mais tu es ma mère. Tu es donc. Mère, là, c'est dehors. C'est toi qui ne peux pas entrer ton mari, non? C'est toi, non? C'est toi qui couches avec ton mari, non? Tu vas vivre avec lui, non? Comment quelqu'un qui te devait venir vient commander ton mari? Et vous avez dit que si on t'a ruiné n'importe comment, tu vas encore que revenir en haut. Ils ne peuvent que temporairement prendre ton argent. Chaque matin, quand tu te réveilles, il y a encore qui vient. Et c'est ce que tu dois d'abord te dire. Parce que tant que tu continues à te dire, oh, je suis ruiné, c'est comme ça que tu vas tout descendre. Je vous ai dit que le truc que je fais avec, je vous ai demandé de monter le feu avec la cendre là. C'est la chimamelure. Je vous ai dit, prends la cendre là, tu fais, tu mets le sel, cendre, tu mets, tu parles, tu le son transmets sur ça. Tu vas voir. Faites les bains de vos maris, vous mettez. Ce matin, vous avez parlé des urines. Les premières urines du matin, tu fais ça, tu pries dessus, tu te laves avec. Tu dilues, hein, quoi que tu peux mettre, tu sens le pipi toute la journée. Tu prends peut-être un quart d'un verre, tu verses dans un seau de 5 litres. Tu pries dessus et tu te laves avec. Demande la purification, l'ouverture de tes portes pour la journée, même pour ton mari. Voilà. Soyons sages. Et faites votre travail spirituel. Faites votre travail spirituel. Si vous allez voir que quand vous habituez à faire le don, le lavage parlé, tu vas tellement te bénir chaque jour que ça va annuler toutes les malédictions qu'on a mis sur toi là. Toutes les malédictions qu'on a mis sur toi là. Ça va enlever. Donc pour la cendre, tu prends 2 cuillères à soupe de cendre. Tu as le gel d'ov, non? Tu prends le petit gel d'ov. Tu prends. Supposons le grand gel d'ov là, 4 cuillères de cendre. À soupe, hein. 1 cuillère à soupe de sel. Tu mets ça dans le gel, tu tournes. Tu mets le gel dans quelque chose, tu tournes dans le un sens en lisant le psaume 35 dessus. Donc ça enlève les malédictions. Malédictions générationnelles, les trucs de fondation là, ça déteste ça. Donc il faut que vous achetez mon programme, qu'elle va mettre ça en ligne, vous achetez mon programme pour se désenvoûter totalement. Achetez ça. Ça vient avec les kits que je vends aussi. Voilà. Donc ce programme-là, je vais mettre ça parce que je suis en train d'upgrade les kits. Oui, tu fais le gel douche. Tu fais le gel douche de ton enfant, tu pries dessus, non? C'est ton enfant. Même s'il prend, il se lave avec. Tu fais ça en cachette. Tu mets le sel dedans. Tu mets. Mince. Tu même dans le moulinex, tu tournes encore bien. Après, ouais, prenez même les gels qui sont bien parfumés là. Vous mettez les choses dedans. Après, vous priez. Tu pries dessus. Psaume 35, psaume 91.
Lui-même, il va pas comprendre ce qui va lui arriver. Oui. Il va devenir assidu. Prier de ta mère. Vous ne devez pas les mères qui dorment. Ne dormez pas sur vos enfants. Voilà. Dans le programme, pour ceux qui sont au Cameroun, quand vous venez, il faut demander la clé USB avec les enseignements que je vends. Je fais ici. Mais vous faites les mains sur la clé. Parce qu'il y a trop de vidéos en ligne. Donc, du coup, c'est difficile pour vous de trouver les vidéos spécifiques qui vont permettre de vous de faire certains travaux sur vous. Voilà. Dans le cas de déblocage, Zafira, il n'arrive pas à te manipuler. Vous allez devenir sage. Dans le cas de déblocage, je vais augmenter le prix et je vais augmenter bien sûr ce qui est dedans. Je vais changer, je vais encore ajouter d'autres enseignements dessus. Parce qu'il faut qu'on passe à une autre dimension de déblocage. Oui, une autre dimension. Le pouvoir augmente tous les jours. L'argent augmente tous les jours. L'attirance, il y a le kit attirance plus plus. Donc quand vous demandez kit attirance plus plus, je crois qu'il y avait même ça à 50 000. Avec les encens, avec les poudres pour se laver, avec les trucs pour parler, commandement, le miel pour lécher, pour le commande. Écoutez, tu vas prendre le kit là comme ça là. Hein? Ton dragon milliardaire qui ne te donne même pas 100 000 là. Il doit financer ton business là que tu veux faire. Olga Kessler, tu peux faire avec n'importe quel jet douche, oui. Et si vous êtes en Bengue, vous voulez venir faire du travail, vous pouvez venir pour 3 jours. Vous faites votre travail de purification, vous finissez tout, vous rentrez. Vous logez ici là chez moi, après vous rentrez. Oui. Tu viens, on est déjà à l'aéroport. J'ai une là qui arrive demain. On est déjà à l'aéroport. Tu viens, tu dis à la personne que tu es là. Tu viens faire ton travail. C'est parce que vous êtes bête, hein? Vous n'êtes pas sage. J'ai une amie, elle me dit qu'elle avait une amie nigérienne là. Chaque année, la fille la voyage même pour 10 jours. Ah, la reine Fatima, ok. J'ai mon autre numéro, le 693. J'espère que tu écris là-bas. Là, elle dit que la nigérienne là, elle voyage même pour 10 jours. Elle disparaît. Après, elle réapparaît. Quand elle est passée à Dubaï, elle fait le shopping même de 10 000 dollars. Oui. Après, elle lui dit que. Comme je suis parti faire ma purification de l'année. Les dragons, elles tombent que sur les ministres là-bas aux États-Unis. Comment elle revient là? Il y a ça dans votre aura. Mais comment on parle, vous maîtrisez? N'est-ce pas? Ok. Je vais lire ton message maintenant, la reine Fatima. Bonne journée à vous. Ok. Bye bye.